Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à l'un de mes outils préférés, Screaming Frog. Aujourd'hui, nous allons parler de recherche et d'extraction personnalisée. Ce sont des fonctionnalités relativement avancées. Qui font de Screaming Frog un outil extrêmement puissant pour, comme leur nom l'indique, aller rechercher ou extraire littéralement du contenu des pages du site que vous allez crawler. Alors, un usage qui pourrait être détourné euh, ferait de Screaming Frog un scrapper euh, assez puissant, euh, voire même très puissant, puisque vous allez le voir dans les différents exemples que je vais vous donner, on peut tout à fait l'utiliser pour extraire des données et euh, bah, les restituer de manière tabulaire. Les Recherche et les extractions personnalisées se retrouvent dans le menu Configuration, dans le sous-menu Personnalisé. Alors, quelle est la différence entre une recherche et une extraction C'est très simple. Les recherches permettent en réalité de créer des filtres permettant d'identifier des listes de pages correspondant à un critère que vous allez définir. À titre d'exemple, imaginez que vous ayez un site e-commerce. Avec des produits disponibles et indisponibles, mais euh, donc sur lequel vous, vous faites un audit SEO et vous voulez identifier très simplement euh, la liste des produits indisponibles. La recherche personnalisée va vous permettre de le faire très simplement. Un autre exemple, un peu plus SEO <laughs> orienté euh, sur les recherches personnalisées, euh, consiste par exemple à aller vérifier la présence du, euh, du tagage Google Analytics ou Google Tag Manager. Donc ça c'est beaucoup plus concret et terre à terre, et je vais vous montrer comment euh, ça fonctionne dans quelques instants. L'extraction personnalisée, elle, euh, correspond plus à une forme de scrapping, puisque là nous allons aller extraire directement des éléments, alors ça peut être soit du code HTML directement dans le code de la page, soit euh, des éléments textuels correspondant à des sélections de balises plus ou moins avancées comme vous allez le voir. A noter que l'on peut créer jusqu'à 100 recherches personnalisées et sans extraction personnalisée par crawl. Nous allons Faire un premier exemple de recherche personnalisée. Je vais tout d'abord vous expliquer comment fonctionne la création d'une recherche personnalisée. Donc, vous avez le bouton Ajouter en bas à droite, qui vous permet de, bah, de créer de nouveaux, de nouveaux éléments. Donc, généralement, moi, ce que je fais, c'est que je renomme ma recherche. Admettons que j'ai un site avec un, euh, un tagage Google Tag Manager et que je veuille vérifier que toutes les pages sont bien, sont bien taguées. Le, le cas typique, hein, par exemple, c'est un, euh, un site e-commerce PrestaShop sur lequel vous utilisez des modules, par exemple des modules blog qui ne reprennent pas toujours euh, correctement le, le corps euh, PrestaShop. Et euh, du coup, il peut arriver que sur les pages créées par certains modules, le marqueur par défaut de, de PrestaShop, Google Analytics ou Google le tag manager euh, saute littéralement donc cette euh, forme de recherche permet de bien s'assurer que euh, le marqueur analytics euh, est bien présent dans la page donc là par exemple je vais créer un marqueur que je vais appeler gtm alors ensuite vous allez pouvoir choisir contient ou ne contient pas à quoi correspond cette zone et eh bien en fait euh, screaming frog va créer un filtre dans l'onglet recherche personnalisée que nous allons voir après qui va vous permettre automatiquement D'afficher euh, les pages qui contiennent ou ne contiennent pas selon, selon votre choix l'élément que vous aurez recherché. Donc là en l'occurrence, moi ce qui m'intéresse c'est d'identifier les pages qui ne contiennent pas le marqueur GTM. Vous avez deux modes d'extraction en mode texte texte simple ou en mode regex. Donc là en l'occurrence, je vais utiliser le mode texte simple et je vais utiliser un petit bout de, un petit bout de code GTA, hop, hop, GTAG slash gtag slash qui généralement est utilisé par Google Tag Manager dans le code HTML de la page lorsqu'il lorsqu'on appose le, le, le tagage. Et vous avez enfin la possibilité d'utiliser différents modes d'analyse différentes zones d'analyse, soit le code HTML de l'ensemble de la page, soit le texte de la page uniquement, donc là en faisant fi du code HTML, soit le texte de la page sans les ancrages. Alors qu'est-ce que ça signifie Ça signifie simplement qu'on va mettre de côté tous les textes qui sont contenus dans les encres de liens dans la page. Donc ça, ça peut être très intéressant pour voir si par exemple un mot ou une expression est contenu dans telle ou telle page en dehors du maillage interne. Très intéressant. La tête HTML, ça, ça va être utilisé pour rechercher un élément dans le header HTML. Le corps HTML, à contrario ça va être pour chercher quelque chose dans le, la balise body HTML. XPASS, ça peut être super intéressant si par exemple vous voulez chercher, euh, je ne sais pas, j'ai un site sur, euh, sur le fitness et je veux rechercher toutes les pages qui contiennent par exemple le mot way, euh, la protéine, hein, dans les balises H2. Donc là, je vais mettre mon sélecteur slash h 2 et ça va me permettre de savoir si chaque page de mon site qui va être crawlée contient le mot way euh, dans la balise H2. Donc, vous voyez, ça peut être très intéressant. Bon, je, je remets mon paramétrage. GTM, et donc là je vais utiliser pour le, le GTM simplement le code HTML. Donc vous voyez, je vais simplement rechercher ce texte là dans le code HTML de ma page. S'il ne figure pas dans ce dernier, ça veut dire que le, le marqueur dans Screaming Frog, ça sera ne contient pas mon extraction GTM. Et je valide. Quand je vais dans mon onglet Recherche personnalisée, automatiquement Screaming Frog m'a créé un filtre qui va me permettre d'identifier les pages qui ne contiennent pas le sélecteur que j'ai créé. Alors, pour gagner du temps, je vous ai chargé un crawl où j'ai utilisé le marqueur que je viens de créer. Et donc là, très simplement, vous voyez qu'il m'a créé euh, dans mon onglet Recherche personnalisée une colonne Rechercher 1, GTM, c'est le nom que je lui avais donné, et il m'affiche automatiquement Contient ou Ne Contient pas. Donc là, je peux simplement utiliser mon filtre ici, Ne Contient pas, et voilà, là, j'ai simplement la liste des pages qui ne contiennent pas mon marqueur Google Tag Manager. Très simple. Un autre cas d'usage que je vais vous montrer rapidement consiste à identifier, par exemple, sur un site e-commerce, euh, l'ensemble le, des produits qui sont marqués comme étant indisponibles. Pour la démonstration, j'ai pris, enfin, pris un site internet sur lequel il y a quelques produits disponibles, et en fait, bah, je vais simplement rechercher ici, euh, sur une sélection de pages, hein, je ne vais pas crawler tout le site, hein, toutes les pages qui contiennent la chaîne de caractères "indisponible en ligne". Donc, je vais copier cette chaîne de caractères et je vais créer tout simplement Ma recherche personnalisée. On crée une nouvelle. Donc, indisponible. Donc là, je vais mettre contient le texte. Indisponible en ligne. Alors là, je pourrais indiffé indifféremment utiliser le mode HTML ou texte de la page. Je peux laisser le mode HTML, c'est pas gênant. Voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant c'est que je vais utiliser le mode liste dont je vous avais parlé lors de ma première vidéo pour gagner du temps je ne vais pas les 10 000 pages du site j'ai préparé une liste de, de quelques dizaines d'URL sur lesquelles nous allons simplement faire le test en mode liste donc pour ce faire je vais passer en mode liste ici et je vais simplement coller la liste des URL que j'avais préparé préalablement. Voilà donc là j'ai 83 URL. Je clique sur OK et automatiquement Screaming Frog lance le crawl de mes 83 URL. L'avantage du mode liste, c'est que là, vous pouvez le faire sur un, un échantillon de pages pour tester, euh, par exemple, euh, bah, quand, vous, quand vous créez des recherches ou des extractions, ou quand vous voulez simplement euh, tester l'indexation, c'est super pratique. Voilà, donc là, il m'a déjà crawlé mes 83 URL. Donc je vais aller dans l'onglet dans recherche personnalisée. Et ici, voilà, donc là il m'a mis, il m'a indiqué par des 1 ou des 0 le nombre de fois où il a trouvé euh, le mot produit. Euh, c'était quoi, c'était produit indisponible. Donc là, je peux faire très simplement, utiliser mon sélecteur ici, indisponible, et là, j'ai l'ensemble, sur, le, le, ben, sur les URL que j'ai que j'ai l'ensemble des, des 41 URL qui sont des produits indisponibles. Je peux en prendre une au hasard, et on a bien notre mot indisponible en ligne. Donc vous le voyez, c'est extrêmement simple à utiliser. Un autre exemple un peu plus avancé de recherche personnalisée pourrait être... Pourrait être d'aller compter le nombre d'éléments présents dans des pages. Alors là, je vous ai choisi un exemple un petit peu capillotracté, puisque euh, je vais utiliser mon blog pour aller comptabiliser le nombre d'articles par catégorie, sachant que je n'affiche pas le nombre d'articles et que, fait assez particulier, je n'ai aucune pagination et que mes articles sont bah, affichés selon différentes listes, puisqu'en fait, j'utilise euh, du tagage un peu particulier pour les séparer par famille. Donc là, par exemple, j'ai ma catégorie photographier des mammifères, où j'ai trois articles sur les techniques d'approche, et j'ai un certain nombre d'articles ici, euh, bah, qui sont plus des, euh, voilà, des éléments, des photos, euh, autres qui ne rentraient pas dans cette sous-catégorie, si j'ose dire. Et donc j'aimerais savoir combien j'ai d'articles dans ma catégorie photographier les mammifères, mais aussi photographier les oiseaux, les animaux domestiques, etc. etc. Et donc pour ce faire, je vais encore partir d'une liste d'URL, puisque je vais simplement, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir le, le nombre d'articles par catégorie, donc je vais utiliser la liste de mes pages catégories pour comptabiliser le nombre d'articles. Pour ce faire, je vais faire comme tout à l'heure, je vais charger ma sélection de pages. Donc là j'en ai un peu moins, j'ai 30 URL. Et je charge... Ah oui, j'aurais pas dû lancer le crawl, c'est pas grave, bon il les a crawlés. <laughs> Bon, pour l'instant, je n'ai aucune recherche personnalisée. Donc là, je vais aller créer ma recherche personnalisée pour comptabiliser le nombre d'articles. Alors là, vous allez voir, ça va être un petit peu plus compliqué puisque je vais utiliser une, une regex dans le sens où j'ai eu la super bonne idée sur mon site de ne pas utiliser cer enfin, certains marqueurs qui, qui m'auraient facilité la tâche. Donc là, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais aller inspecter euh, le code de ma page et je vais aller rechercher les balisages 3 qui correspondent à une certaine classe. Et... Sur la partie basse, vous allez le voir, j'ai mal fait le boulot. Là, ce ne sont pas des balises H3, ce sont des balises H4 avec une autre classe. Donc, j'ai préparé une regex hein, pour l'occasion qui va me permettre d'identifier à la fois le, les titres H3 de la classe euh, article, entre guillemets, de ce bloc, et les titres H4 de ce bloc. Donc, en faisant le, le, le total des deux, j'aurai le nombre d'articles dans ma page catégorie. Pour ce faire, je vais aller dans Configuration, Personnaliser, Recherche personnalisée. Et ici, je vais créer une nouvelle recherche. Donc là, je fais... Taper nb article. je vais utiliser une, une regex que j'avais préparée à l'avance. vous voyez qui permet de, de me dire je cherche soit l'h3 de classe, etc., soit l'h4 de classe, blablabla, voilà, tout simplement. Et je vais rechercher ça évidemment dans le code HTML. Donc là, je je relance le crawl. Donc là, ça va aller assez vite. Voilà. Et donc là, automatiquement, il m'a extrait le nombre d'articles pour chacune de mes catégories. Alors si je prends par exemple les mammifères, celle-là. Donc là il m'a trouvé 27 articles, donc je vais aller simplement vérifier que j'en ai bien 27. Donc là j'en ai 1, 2, 3, et en dessous j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 et 25, celui-là j'avais oublié de le compter. Non, 24, pardon, 24, non, non, c'était bon, 24 plus 3, je suis bien à 27, donc je n'ai pas fait d'erreur. Voilà, donc vous voyez, c'est un moyen très simple de voir par exemple que ben j'ai ben, des catégories qui sont euh, qu'il qu faudra que, que je travaille un peu plus parce qu'en fait j'ai très peu d'articles dedans. Alors maintenant nous allons voir comment réaliser des extractions avec Screaming Frog. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, cela correspond en réalité à réaliser une forme de scrapping puisque nous allons pouvoir extraire du texte. Ou des éléments HTML directement du code de la page euh, scrappé. Alors, pour ce faire, nous allons retourner dans le menu personnalisé, extraction. Alors, nous sommes dans les extractions personnalisées. On peut très simplement créer un extracteur ou plusieurs extracteurs, hein, comme, comme l'appelle Screaming Frog, pour aller rechercher des éléments euh, directement dans, dans le code de la page. Vous bénéficiez de trois modes d'extraction. Le mode XPASS qui est sélectionné par défaut, donc là, ça va être de. Un sélecteur, alors on peut mettre par exemple, si je mets par exemple H3, parce que les H1 et les H2 sont déjà extraits euh, par Screaming Frog, donc si je mets par exemple H3, un entre crochets, ça ira m'extraire le premier H3 de la page en cours, directement. Et on pourra extraire le texte contenu dans cette balise H3. C'est un exemple euh, parmi tant d'autres. Vous avez la possibilité également d'utiliser un outil fort pratique que Screaming Frog a intégré, qui est un sélecteur visuel. Alors là, je vais, je vais prendre un cas d'école, puisque là, mon objectif sur un site PrestaShop va être d'aller rechercher le nombre de produits affichés sur les pages catégories. Donc pour ce faire, je vais prendre un site PrestaShop, et l'objectif, en, en réalité, c'est d'extraire la quantité de produits qui est ici. Donc là, c'est ce qu'on retrouve en haut de chaque catégorie. Alors pourquoi extraire ce texte bah, Tout simplement parce que là, en l'occurrence, je ne peux pas compter le nombre de produits, puisque nous avons une pagination et certaines catégories comportent un grand nombre de pages. Donc l'objectif, ça va être d'aller extraire le nombre situé ici. Dans Screaming Frog, je, peux, je pourrais donc essayer d'utiliser cet outil dont je viens de vous parler. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller chercher l'URL de la page. Vous allez voir, c'est très rapide. Je vais lui coller l'URL. Et là, automatiquement, Screaming Frog va charger la page en question. Alors évidemment, là, il me la charge en mode mobile, mais si je la voulais en mode responsive, voilà. Que j'élargisse un peu la fenêtre. Et ici, je vais pouvoir aller cliquer directement sur l'élément que je veux extraire. Donc là, si je clique ici, bah vous voyez qu'en fait, il, a, il est allé automatiquement sélectionner l'élément HTML. Correspondant à la zone, la plus petite zone cliquée. Donc en l'occurrence, il va me proposer ici tout un tas de sélecteurs en mode X-Pass. Alors on peut basculer en chemin CSS, donc ça c'est les, les, les sélecteurs jQuery, hein. bon, on peut rester en X-Pass. Alors là, le, la problématique c'est que vous voyez, il m'affiche l'aperçu du HTML rendu. Donc là en l'occurrence, je n'ai pas de. Bah, en fait, il n'y a pas de balise HTML dans le bloc que j'ai cliqué. Et il m'affiche euh, l'aperçu du HTML source. Donc ça c'est ce qui serait extrait. Donc là en l'occurrence, je n'ai pas la possibilité, malheureusement, d'extraire uniquement. 48. Moi ce que je veux c'est le nombre de produits et non le texte que, que j'ai autour. Donc ça c'est une fonctionnalité qui pourrait être intéressante. Par exemple, pour sélectionner le libellé, voilà, je pourrais sélectionner le libellé et le titre complet, vous voyez, de ma catégorie. Donc ça, ça pourrait être euh, intéressant. Là en l'occurrence, moi ce que je veux, c'est les 48 produits. Donc ce que je vais faire, bah, je vais plutôt créer un sélecteur en regex, puisque malheureusement, cet outil-là ne permet pas d'utiliser les regex, donc là je vais utiliser un regex. Donc je vais l'appeler la, nb Produits ». Et je vais aller chercher, donc là, ça faire de ma part, c'est il y a un produit. Donc ce que je vais faire, je vais le marquer ici, il y a. Alors là, je vais prendre uniquement les chiffres. J'en veux entre euh, bah, 0 et l'infini. Le... Produit. Alors je ne mets pas de S à produit car je ne sais pas si sur les catégories avec un seul produit, automatiquement il va aller supprimer le S ou pas. Donc là j'ai créé mon sélecteur et je vais lancer un petit crawl du site hein, sur une sélection de pages pour regarder si ça fonctionne. Donc je valide et je lance mon crawl. Donc là j'ai lancé le crawl sur une cinquantaine d'URL et comme vous le voyez, automatiquement il m'a bien remonté le nombre de produits sur les pages catégories. Alors j'avais réalisé une petite segmentation pour être certain qu'il aille chercher sur les bonnes pages. Donc là, en l'occurrence, si je vais dans Double Gaz, je peux vérifier que j'ai bien 141 produits dans ma catégorie. Donc comme vous le voyez, ça, ça peut être super intéressant pour détecter, par exemple, les catégories avec énormément de produits, ce qui est le cas de, de ce site e-commerce, pour éventuellement aller euh, chercher des, euh, des éléments parmi les produits de, des catégories concernées, pour scinder la catégorie et euh, aller chercher de, de nouvelles requêtes orientées. Euh, plutôt commercial sur les catégories. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Je m'en suis déjà servi pour par exemple extraire les descriptifs de catégories sur des sites e-commerce pour automatiquement aller euh, bah, en fait détecter les catégories qui, qui étaient dépourvues de descriptifs. Longs. Donc c'est un autre usage que l'on peut faire en SEO. Autre usage très courant que l'on peut faire des extractions c'est de se servir de ces dernières pour catégoriser des pages. Alors, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la segmentation. C'est ce que j'ai utilisé ici pour identifier les pages catégories. La segmentation permet, je le rappelle, de découper les pages en des ensembles permettant de euh, les catégoriser. On peut extraire, par exemple, les différentes typologies de templates de pages. Sur un e-commerce, ça pourrait être les catégories. Les produits, les pages fabricants, etc. On pourrait aussi l'utiliser pour, euh, si évidemment le, le site le permet relativement facilement, isoler euh, les produits par catégorie. C'est-à-dire là sur un site de couture, je pourrais avoir les tissus d'un côté, les boutons de l'autre, etc., etc. Et en ressortir des statistiques, par exemple, de visibilité avec la connexion aux API Google. Donc là, en l'occurrence, ce que je vais aller faire, je vais vous montrer comment réaliser. Très rapidement, alors je ne vais pas vous expliquer comment faire la segmentation, mais je vais vous expliquer comment détecter le template de page utilisé sur un site e-commerce PrestaShop, puisque sur la très grande majorité des thèmes, l'identifiant du template se trouve dans l'attribut ID de la balise body. Je vous montre ça rapidement. Donc là, je suis sur un site PrestaShop et je vais aller regarder, je vais aller inspecter le code source. Et si je remonte sur la balise body, ici, vous voyez que le ID correspond à catégorie. Je suis bien sur une page de catégorie. Si je vais sur une page produit et que je refais la même chose, l'ID correspond à produit. En réalité, PrestaShop attribue un ID selon le template de page. Donc, ce qui est fort pratique, puisqu'en fait, ça va nous permettre de catégoriser nos pages par template utilisé. Bien évidemment, ça, cela ne fonctionne qu'avec les templates du corps, du cœur PrestaShop. Si vous utilisez des modules complémentaires et qu'ils n'implémentent pas d'ID particulier, vous ne pourrez pas les catégoriser. Il faudra procéder autrement. Donc là, pour sélectionner l'attribut ID de la balise body, rien de plus simple sous Screaming Frog, puisqu'en fait, il me suffit d'aller dans Configuration personnalisée, Extraction personnalisée, et je vais créer un nouveau, un nouvel extracteur que je vais appeler Template. Je vais utiliser le XPath et pour sélectionner l'attribut ID de la balise body, je vais utiliser cette syntaxe ID. Donc là, je vais sélectionner le texte et je valide. Donc je vais relancer le crawl et vous voyez que sur les pages, en fait, automatiquement il m'extrait l'ID utilisé dans les balises body. Donc là je vais arrêter le crawl. Et donc, comme par magie, si je sélectionne le segment catégorie que j'avais préségmenté ici, vous verrez qu'automatiquement le template correspond bien aux catégories. Donc on pourra utiliser une extraction personnalisée pour réaliser la segmentation sur un site PrestaShop. Donc ça, je vous le montrerai dans la vidéo consacrée à la segmentation. Alors, dernier exemple d'extraction personnalisée, je veux récupérer date de publication sur l'ensemble des articles de mon blog. Pour ce faire, je vais utiliser l'outil que je vous ai montré tout à l'heure où je vais tout simplement aller cliquer sur l'élément que je veux récupérer. Pour ce faire, je retourne dans Configuration, Personnaliser, Extraction Personnalisée, Ajouter, donc je vais appeler ça date publie, Et je vais utiliser l'outil permettant de charger les pages. Alors je vais aller sur mon blog, je vais sélectionner un article et en fait c'est cette date-là que je veux récupérer. Donc je vais copier l'URL directement dans Screaming Frog. Donc il va me charger la page. Alors c'est parfois un petit peu long. Voilà. Alors là je vais cliquer simplement sur la date. Alors là, cas particulier, comme vous le voyez, en fait le sélecteur de base va prendre à la fois le nombre de commentaires et la date de publication. Donc ce qu'il va, qu va falloir faire en fait c'est utiliser les sélecteurs, les, les variantes de sélecteurs et Coup de chance, le troisième ici correspond exactement à ce que je veux, à savoir la date de publication. Donc là, je valide. En fait, automatiquement, il m'a créé mon sélecteur en X-pass pour la date de publication. Je valide et je peux lancer le crawl automatiquement. Et vous allez voir, donc là, je vais balayer quelques éléments. Je vais mettre en pause, ça sert à rien de tout crawler. Et je vais aller dans l'onglet Extraction personnalisée. Et là, automatiquement, il m'a bien extrait les dates de mes articles. Donc vous voyez, en réalité, on peut s'en servir pour scraper à peu près tout et n'importe quoi. Puisqu'on peut imaginer des scénarios où l'on pourrait aller rechercher des données sur le site de concurrents. Je pense notamment à ceux qui veulent faire du benchmarking pour les sites e-commerce, où vous avez la possibilité de récupérer les références produits, les tarifs, etc., et de pouvoir les comparer à vos propres tarifs pour vous aligner sur la concurrence. C'est un exemple d'usage. Bien évidemment, avec Screaming Frog, c'est un peu tiré par les cheveux, puisque ce genre de choses, généralement, on l'automatise dans des process internes. Voilà, j'espère que ce, cette troisième vidéo sur Screaming Frog et les recherches et extractions personnalisées vous a plu. Rendez-vous la prochaine fois pour les segmentations.